Didier Girard, satisfait de ce 15e Open d'Orléans? Très satisfait. On a été submergé par toutes les personnes qui étaient enthousiastes à l'idée de voir jouer Joe Wilfried Tsonga. On n'a pas été déçus. Depuis mercredi, jour de son premier match, le palais des sports était quasiment plein dès le mercredi. On n'avait évidemment jamais vu ça. Et puis hier, en demi-finale, le stade était plein comme c'était une finale. Et aujourd'hui, malgré l'absence de Joe, eh bien, le stade était encore une fois complet. Donc ça fait plaisir de voir que l'Open d'Orléans est, je l'espère, en tout cas je le crois, définitivement ancré dans les rendez-vous de septembre. Alors c'est une histoire incroyable, c'est une sorte d'outsider qui gagne puisque vous lui avez accordé une wildcard, une invitation. Absolument, il m'a envoyé un mail quelques jours avant le tournoi, me demandant une wildcard. La chance pour lui, c'est que je n'avais pas encore pris de décision. J'ai évidemment consulté Sébastien Grosjean et Nicolas Escudé qui m'ont dit tu peux y aller, lui ce sera un grand de demain. Et alors donc je lui ai accordé cette wildcard, il m'a chaleureusement remercié, ce qui n'est pas toujours le cas, je dois l'avouer. Et je ne suis pas étonné que tout à l'heure il ait eu des mots très gentils à mon égard. Et on a passé une très bonne semaine ensemble et grâce à l'Open d'Orléans, ce futur grand joueur, vous allez voir dans quelques mois, Joe me l'a confirmé, il dit pour lui dans les quelques mois qui vont venir, il sera dans le top 50, j'en suis persuadé. Et bien grâce à l'Open d'Orléans, il va entrer pour la première fois de sa vie dans le top 100. Donc je suis très content pour lui. C'est une belle histoire. Et puis il va revenir l'an prochain et l'an prochain vous fêterez les 15 ans de l'Open d'Orléans. C'est ça, les 15 ans. Alors je lui ai demandé de me rendre un service, il m'a dit lequel. Je lui ai dit sois gentil, ne rentre pas dans le top 10 mondial pour le 16e Open d'Orléans pour les 15 ans. Parce qu'on sait que le top 10 mondial n'a pas le droit de jouer dans les Challengers. Donc il m'a dit je ferai un effort et comme ça j'espère que s'il sera avec son nouveau classement qui j'en doute pas sera très haut, j'espère qu'il tiendra sa parole mais j'en suis sûr il viendra.